Le séjour de travail de son excellence Vernel Fitzpatrick à Port-Gentil, la capitale économique gabonaise, a eu son lot de détente. Ici, avec les élèves du collège et lycée canadien, la rencontre s'est voulue sans fioritures. L'ambassadeur des États-Unis au Gabon étant porteur d'un don d'ouvrage sur la culture américaine, d'un message pour encourager ses jeunes apprenants et d'une ambiance de showcase entretenue par les musiciens de la Navy Band. À côté de la joie des élèves, la communion entre le fondateur et celle qui incarne la relation américano-gabonaise. L'établissement hôte se voulant bilingue et multiculturel. C'est vraiment un sentiment de réussite et de joie. Parce que je ne sais pas s'il y a déjà eu une fois, ici à Port-Gentil, une école qui a reçu l'ambassade ou l'ambassadeur des États-Unis. Je ne pense pas. C'est pour la première fois. Et c'est l'école canadienne qui le fait. Alors nous sommes très heureux et très enchantés. Hein? Oui, c'est vraiment la joie pour nous. Notre vision est multiculturaliste et en même temps bilingue. Et les États-Unis, c'est un pays anglophone. Et c'est un peu dans ce sens-là que nous collaborons avec l'ambassade américaine. Mais ce n'est pas la seule ambassade avec laquelle nous collaborons. Notons à toutes fins utiles que les élèves du collège et lycée canadien de Port-Gentil ont connu une des journées les plus épiques de cette année académique qui tire à sa fin. Au fort des résultats des années antérieures déjà très encourageants, le passage de l'ambassadeur du pays de l'oncle Sam portera haut le moral de ses élèves de Port-Gentil.